Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 6 sur Hogwarts Legacy. On se rappelle, la dernière fois on était dans la réserve de la bibliothèque. Sébastien Palot était parti chercher Peeves, ou du moins parler à la bibliothécaire. Et nous, on continue l'aventure tout simplement. Et pour tout ce qui est équipement, on verra plus tard. Et c'est parti les amis. Pour continuer l'aventura. Ok. Bon. 2 secondes. Ouais, niveau PVP, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, parce que rappelez-vous, ça va se battre. Whoop! D'accord. Je suis juste pas patient, c'est ça? Des gardes, c'est pas surprenant. Mais d'où il vient, lui? Alors désolé, mais j'étais un peu surpris, je m'attendais pas à les voir. Mais à chaque fois, en fait, je confonds avec le bouton pour courir. Les Vioso. Incentro. Mais c'est pas ça que je veux. Attendez. C'est vrai que c'est comme ça. Par contre, ici, on est d'accord, il n'y a rien à faire. On va bien attendre, hein. Ah, ils ont essayé de m'avoir. Je suis un assassin. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle? Ok. Bah alors? Faut que je fasse attention. Oh. Oh, et puis flemme, hein.
Plus 10, plus 10. Bon, je sais que je devrais pas faire ça maintenant, mais bon. Permettez-moi maintenant de me concentrer parce que là, il va y avoir du PVP. Mais non, ce n'est pas qu'un livre. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel.
ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Elle a pas dit oui, hein. Elle va tourner chèvre, hein. Vous vous rappelez ? D'ailleurs, moi, je pensais qu'à la fin, on allait l'affronter, que par je ne sais quel sortilège, était encore en vie dans le sort de sanctuaire, et qu'après, on allait l'affronter et tout. Ça aurait été pas mal, hein, plutôt que Ranrock qui se transforme en dragon. Bon, ouais. Mais Isidora Morganac, ça aurait été pas mal. J'aurais apprécié. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien, que va en penser votre oncle ? Bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Alors par contre, au niveau de mon inventaire, va falloir que je regarde, mais il va falloir que je pense à aller vendre mes objets, parce que bon bah, je pense à devenir un peu critique. Ok. Revelio. Speedrun, hein. Vous n'êtes pas sérieux. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ?
Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Vous avez vu la demi-guise derrière ? Oh ! Oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine ? Dans la barbe de Godric ? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Les talents... C'est après. Revelio. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Je suis vraiment obligé. Bah alors, je peux pas avancer? Ah ouais, d'accord. C'est chiant quand on m'oblige à faire quelque chose. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés. Puis venez me voir dans ma salle de classe. Eh B, ça s'appelle des spams, hein, tout ça. Hein. What? Bon. Moi, je vous ai dit ce que je faisais en particulier, c'est... Ce que je fais en particulier, c'est les sortilèges de... Bah les sorts, tout simplement, les sorts. C'est les sorts, oui, j'ai entendu qu'il y a une clé qui vole, mais j'ai pas envie de la faire maintenant. Donc nous, ce qu'on va faire en particulier, c'est un genre de choses. Donc réussir à esquiver les attaques des ennemis en effectuant des roulades, lancer Incendio sur des ennemis. Donc on va aller voir des... petits ennemis à côté de Poudlard. Histoire de pouvoir faire les devoirs du docteur Hecat. Je pourrais faire une joute magique, mais bon... Vous pouvez aussi bien être entouré de charretiers. Je t'emmerde. Donc, alors, de mémoire, il va falloir passer par là. Revelio. J'ai hâte.
Normalement, je peux aller là. Bah ouais, mais là, c'est le cours de botanique. Bon. On ferait pas le cours de botanique vu qu'on y est. Bon allez. Elle fait encore des oignons piquants. C'était pas prévu mais faisons. Bonjour professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir ma chère Lenora. Oh tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. C'est plutôt un chou, hein. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action. Et attention les oreilles. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde! La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rang. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps. Pour pousser. Elle m'endort. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés?
avec des roses ou des caprices de nifleurs? Les propriétés régénérantes du Dictal en font un ingrédient indispensable de la potion Wiganweld. Beau comme travail vous avez tous, grâce au une cours fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Bon. Salut. Tu es allé après Hollard l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle... Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Il faut plus prendre. N'hésite pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'ils pourraient avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Hollard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amani tes chiens dents. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Lui aussi m'endort. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Je vais être sincère. Merci, professeur, mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Ouais, bon. Mandragore apprécie leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Pour entretenir une chose. Ouais. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de... Oh, je peux peut-être me permettre le temps de faire le devoir du professeur Ekat. Remarque, rien ne nous empêche de faire le devoir et puis après de faire la mission en tant que telle un autre jour. Hein. On peut peut-être au moins s'avancer à ça. Et donc l'exploration de Poudlard et de ses alentours pour débloquer la carte, je le ferai quand on aura eu la quête pour les mauves douces, pour les épreuves de Merlin. Parce que ça n'a rien du coup que j'explore tant qu'on n'a pas débloqué cette quête-là. Donc bon.
Alors, voyons voir. Les professeurs et quêtes. Quêtes. Voilà. Les joutes magiques, c'est bien, mais pour l'instant, on n'est pas assez expérimenté pour pouvoir les faire. Enfin, j'aimerais bien débloquer d'autres sorts avant de faire ça. Sont faites pour être dépecées et mangées. Parier sur les combats de dragons. J'ai entendu. C'est malheureux. Incendio. Aidez-moi. Incendio. Bah alors vous fuyez. Permets-moi d'abréger. Incendio. Tu n'as pas un... Contingo. Incendio. Ah, je vais être couvert de cendres. Incendio. Tu ne survivras pas à cette... Les vieux sont... Mais il est où? Ah, il était là. Les vieux sont... Incendio. Bon bah voilà. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy, l'aventure de Voldemort. Bisous à tous, ciao ciao.